Alors, des restes. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Pour faire une salade de pâtes aux chèvres, il me faut les restes de pâtes, des tomates séchées, de l'estragon, des olives noires dénoyautées, du fromage de chèvre frais, de la ricotta, de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, du vinaigre balsamique, du jus de citron, des tomates cerises, du sel et du poivre. Je commence par placer dans un grand saladier mes restes de pâtes. Je vais tailler en rondelles les olives. Je coupe en deux les tomates cerises. Je taille finement la tomate séchée. Et je vais hacher finement la moitié de l'estragon. Ensuite, j'incorpore tous ces éléments dans la salade de pâtes. J'assaisonne avec du sel et du poivre, un peu de vinaigre balsamique, environ 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, et je mélange. Je vais maintenant faire une mousse de chèvre. Donc j'ai du fromage frais, je vais le mélanger avec de la ricotta, le restant d'huile d'olive, à peu près une cuillère à soupe, une petite goutte d'huile de noisette, du jus de citron, le reste de l'estragon, du sel, du poivre et je mélange. Alors pour le dressage, je commence par mettre la salade de pâtes dans une assiette. Et ensuite, avec deux grandes cuillères, je vais faire une belle quenelle que je vais venir poser sur la salade. Et voilà comment faire une salade originale avec vos restes de pâtes.